Lundi 15 novembre 2021, bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue au Souti Vilakay. C'est un plaisir pour nous avec vous. Et pour nous porter une vidéo de formation ça pour vous. Et nous comptons avec vous. Et nous pour remercier tout le temps si là, tout nouveau et ancien abonné nous. Et si là, qui toujours été connecté sur TV Lakay, nous vous merci pour fidélité et confiance. Et merci tout parce que vous faites un meilleur choix. Le fait que vous choisissez TV Lakay pour informer. Donc, allez vite, on a pile de détails, mesdames et messieurs, sous, eh bien, opération sur la police menée dans Delma 65, à côté qui a plusieurs kidnappés qui sont bien ensemble. Et nous allons inviter à tout détail avec un porte-parole PNH, là, Gary Desrosiers, de retour, eh bien, qui parle de nous en pile d'informations et qui t'a fait quoi que l'homme, et donc, il y a 400 maozo et t'a disparu dans la prison. Et nous allons inviter autant de réponses, eh bien, porte-parole là-bas, sur question ça. Et puis, il y a un sénateur Steven Benoit qui lui-même l'a démenti le PM Ariel Henry, avec l'autre qui est dans l'État, qui chaque fois pour Nexao, eh bien, prend une décision si l'argent est obligé à payer bandit. Et monsieur fait qu'on n'est pas les menteurs dans le pays d'Haïti. PM Ariel Henry sont menteurs professionnels. Eh bien, donc, nous allons inviter tout détail. Restez connectés sur la vidéo parce que pile bagaille qui pourrait le dire là. Donc, ou même qui peut abonner avec Anti Vilakay, pressez faire ça rapide, vite, une façon pour ne pas jamais rater l'information. Et bah. Et on peut parler de la population qui est toujours côté participation avec la police nationale. Effectivement, c'est suite en alerte, son véhicule colorado de couleur noire, qui est un film au placé, c'est UTG 6986. On a noté que le véhicule ça a été kidnappé chauffeur le 14 octobre matin pour 39, côté que le kidnappé occupant et ok tout. Et c'est dit machinement, et je fais 20 jours, mon mec n'a pas eu un rabbin, et c'est véhicule ça, qui même que la police a information sur lui, et alerte, et arrivé à Delma 65, la police qui même lui a intercepté véhicule ça, qui a 3 mon et 3 ou 4 mon appel, qui ont été et qui ont été la suite, qui ont été abandonnés pour se faire un tir, échange de tir, et arrivé à Delma 31, la police sur les gens, dans machine et à pied, et vivait dans le centre de ma 31, non loin du ministère des cultes, côté que la police stoppait et un bandit qui était en possession de un fusil AR-15 et de marque CM10-880, côté que monsieur blessé mortellement malheureusement. Nous avons une identité, nous avons un téléphone bon côté cadavre. Généralement, Pierre-Ounel, mais de toute façon c'est au dispose de la DPJ et n'a pas entité plus, mais nous avons deux téléphones et machinement, gagné deux plaques que nous jouons de machinement et puis avec une chemise, chemise et du policier administratif avec un pantalon. Pas parole, je sur ça, mais il y a une information qui a apporté le week-end, la police c'est nos affrontements avec un groupe de nègres qui fait partie de base 400 Maozo côté chef gang ça t'as pris une balle et t'as mouru. Est-ce que effectivement t'es une opération comme ça ou bien ça qui passé même et par rapport à base ça week-end? Alors comme nous nous-mêmes très soucieux de l'information que j'ai partagée avec la population et pour l'information vérifiée et pour être crédible pour partager avec la population. Effectivement, et concernant et la mensonge, nous n'avons pas en mesure pour nous dire ce qu'il veut laisser. Et nous avons des formations effectivement qui ont été dans machinement, mais il faut nous donner des données d'appréciation pour partager la population, même si, et pour le jeudi dernier, à côté de ces qui sont localités dans le Croix des Bouquets, côté que la police suit à un checkpoint, parce que la police au Croix des Bouquets était mobilisée, côté que les présences policières. Au niveau de toute zone là, que ce soit patrouille, point fixe et 7.2, et arrivé les deux véhicules que la police m'a déporté, et puis au lieu que de vous camper, ils ont tiré en direction
de la police. Deux véhicules, ça aussi, deux grands vitalayons de couleur noire, je crois, n'est pas de couleur rouge, et de gagner plusieurs mouns en dedans. Véhicules, ça, et des groupes de tir, la police est postée, et ça vite pour opposition et un champ de tir, et côté que gagne la vérité de balle, et des groupes obligés de nos situations pour abandonner les véhicules, ça. Deux véhicules, ça, pour le moment, dans le commissariat Croix des Bouquets et service d'investigation du commissariat Croix des Bouquets, à partir de plus pour remonter à occupant des véhicules et côté que des agents de blessés et gagner de fouilles, quoi, pour une fouille, mais il y a des la peine contrôle justement au niveau des centres hospitaliers pour que nous capables on ait combien de monde qui est entré dans le centre de blessés. Retourner sur ça qui passait Delma 65 ans. Donc c'est un individu qui mourit, pas de parole. Donc l'autre monde qui était à bon marché dedans, il arrivait à sauver. Ça, qui ça la police nationale d'Haïti a fait là, parce que situation déjà compliqué avec plusieurs zones que monde toujours pas capable Matissan Delma 2 et est-ce qu'il y a un effort qu'a fait pour permettre que monde capable circuler parce que là on approche de décembre non et justement et on a fait une qualité de question hein, et gagné vendredi dernier commandant chef de la police qui était rencontré avec plusieurs membres de mon commandement et l'autre monde qui est le chef de commandement pour que d'abord pour gagner 4 jours et décembre. Parce que nous connaissons que 24 ans de décembre, 5 mois de décembre, c'est des cas, c'est des lèvres qui est dans tout le monde vraiment qui est en activité et qui est des prévisions qui d'après tout ça, à savoir votre présence, patrouille, 7 points, protecte. Et DGA et lui-même lui vraiment focus sur les mois de décembre et pour nous permettre que nous sommes capables de lui-même circuler et pour que nous ayons l'activité. Mais à savoir des zones, des côtés que nous n'avons pas qu'à circuler, nous n'avons séquestrer la caillou, des zones qui sont occupées par des présumés bandits qui empêchaient les populations visibles d'attaquer à une activité, il y a des nouvelles stratégies et qui a été en place et on est d'accord que nous ne pouvons pas partager publiquement, mais nous avons ménagé une nouvelle stratégie de manière que nous sommes capables de porter et participation par nous, contre par nous et la population, parce qu'on connaît que la question sécurité, c'est toute une chaîne liée. Et c'est pour une plateforme, la police est un élément très important et nous toujours, en fonction de moi et nous jouons avec nous et nous mobiliser pour ça, mais il y a d'autres acteurs tout qui vous prennent avec nous pour que nous sommes capables de faire synergie ça et avec les populations qui toujours vont vous pensionner nous pour nous permettre que nous débloquer d'abord nos zones et permettre que nous battre librement l'activité et nous demander des populations vraiment participation et pour que les potes collaboration également à d'autres éléments qui, la question chaîne sécurité. Votre parole, pour tes précisions, pour nous, il y a plus d'inquiétude, parce que au pas yon dans la pénitentiaire nationale, tout le monde a besoin de connaître qui côté yon passé exactement. Qui ça nous fait yon? Il est encore incarcéré à la prison et civile de Bob. Non, il était venu chercher lui. Il est venu chercher lui. Et puis, antenne nous, dis-nous, depuis qu'il est venu chercher là. Bon, c'est flané à Clis, c'est madame li, ménage li, boubout li, mené la loi, etc. Tout le monde a questionné tête, yo, qui l'a le tourné? Parce que tu as le cherché li, en pile le témoin, bah, sous ça. Il y a le cherché dans la pénitentiaire, et joue ça. Oui, qui écoute mais la police a baillé là dans la question gaz là, parce que là, on a mis crime là, qui dit, lancer SOS ça pour moi, parce que. Dans Delma 83, il y a un pompe total, la goa qui prend le gaz, toute route là bloquée. Et ceci, c'est pas seulement dans la zone ça. Et est-ce qu'il y a une disposition spéciale qui prend bon côté la police pour faciliter Mounio faire gaz jeudi? Vous connaissez des semaines pour que la population fasse le gaz et ça a provoqué vraiment un nombre d'attentes, on ligne vraiment et on dit, je ne sais pas si la
pratique par la pénible et capable de créer vraiment des situations de plus de sous-action, et que ce soit Delma, Petit-Louvigne et l'autre côté. Mais pas fait pareil des circulations et surtout que commandant de circulation est responsable à Pondo et il n'y a pas de mesures appropriées. 2013-2014, même Ariel Henry, ça, structure politique de l'époque Unité, te voyait comme ministre dans le gouvernement Martelly. Le déblosage pété entre Unité Fusion à l'époque et Martelly, il a demandé Ariel Fontibac quitter ça. Ariel dit le pape quitter parce que lui déjà quitté l'huile côté lié là. Donc c'est un monde qui pouvait, à travers ses actes depuis ces 4, 5, 6 ou 10 dernières années, que ou pas qu'à faire confiance, li pa kon, li pa gen parole d'honneur, li pa gen parole homme d'état. Donc je dis à l'on moun ou fin perdu confiance politicien et société haïtienne nan, je dis à quel que soit parole ou poil dit, même le li ta vérité moun pa quoi. Donc l'autre jour là nous t'étendait Lidz Kitel qui c'est ministre intérieur, ministre justice, c'est comme qui t'est débloqué pour nèg ta le 17 octobre. Et je dis à notre DCCOP qui débloqué pour trêve fait. Si le décap fait 17 octobre et qu'il y a preuve qu'il a été fait, je dis à pas rien qui dit pas fait vrai pour ça. Et pas rien qui dit pas qu'on va pas le débloquer 18 novembre pour prolonger trêve là, ou bien pour peut-être Ariel avec équipe liée à aller vers tiers. Donc, il y a toujours dit on ne croit plus un menteur, même quand il dit la vérité. Donc, Ariel s'est révélé un menteur. Ariel s'est révélé un farceur, Ariel s'est révélé un corrupteur, Ariel s'est révélé un homme qui n'est pas un homme d'honneur. Donc, je veux dire, tout ça, Ariel et tout le monde qui est dans le gouvernement de facto illégal et constitutionnel a dit, personne ne peut faire foi que le ministre intérieur, que le ministre justice qui c'est même monde, non? C'est la première fois que ça arrive dans un pays au monde pour être ministre justice et intérieur en même temps, que c'est porte-parole la police, que c'est chef police, que c'est ministre défense. Ouais, non, a fait 30 camions gaz cap baimenti tout. Donc en final, membre gouvernement ça yo et chef gouvernement pas inspiré en ken confiance. Nous pas quoi nan rien gouvernement Ariel la a dit, parce que yo révélé yo des menteurs, yo révélé yo des corrupteurs, yo révélé yo des magouilleurs, et le yon groupe moun cap collaborer à gangster. Li fait de ou un gangster. Et pour moun ki pa fin de reprendre, non, moun son gangster, c'est même gang ouye. Donc, l'on moun wap collaborer. Wap pren kob. Moun kap travail du kap paye taxe. Et puis, c'est acheter, wap acheter la paix à gang. Donc, on montre tout. Ou pi mal que gangster. Parce...